En pile bandit, membre gang qui relait craché diffé, qui était occupé espace sous commissariat, joint l'un moyen dans troqué coup de zam à force l'audio. C'est ça, non capable sous compte Facebook, la police qui a fait tout le monde connaît que, et même moment on a parlé à la, depuis hier dimanche, non, la police qui reprend contrôle portail sous commissariat Saint-Joseph. Et après, à plein songer, week-end qui était 5 à 6 juin passé à côté, nec armé, était attaqué divers poste police dans la commune Cité Soleil, nous songer, station Gonaïve, poste police dans station Gonaïve, il a été attaqué tout, antenne cimetière, qui bon cimetière d'où il y a là, nous songer, la mort inspecteur Adolphe Miradel, nous songer tout, dans sous-commissariat portail Saint-Joseph côté, nous apprendre que bandit est attaqué, il y a tout, il n'y a pas trois policiers, bon, il y a trois policiers qui disparaissent, que jusqu'à présent, il n'y a pas besoin de koyo, et il était allé avec divers matériels, un mec qui était gagné dedans, sous-commissariat Sida. Mais après, passé une semaine, la police qui était décidée à lui prendre contrôle, et sous-commissariat Sida, et finalement, il prend contrôle, li, et il a poussé d'eau, bandit ça, dans beaucoup de coups de zam, j'en dis à Genao, qui tombait dans échange coup de balle avec la police. N'a toujours été dans la situation qui t'a développé hier, là, dans le niveau Badelma, commune Cité Soleil. Nous apprenons hier, la situation était très compliquée dans le niveau national numéro 1, précisément dans zone route 9, individus armés bloqués zone ça. À travers opération fouille que, et, tête chargée, eh bien, yo t'ai metté un peu le barricade dans l'an, camion, citerne, pour capable mener le travail, yo fait sa affaire, dans zone sat du vivier, cité soleil, pour ne citer ça au seulement, mon était important pour moun, t'es éviter zone sa yo ailleurs, côté individu, a metté bloqué accès pour moun, si qu'il est dans zone sa, machine, motocyclette, et même moun à pied, pas de cas passer, selon habitant yo, et ses bandits dans localité, pièce, qui yon même gagné dans tête li groupe bandit ça qui Letty Gabriel nous apprendre tout pendant opération ça nous apprendre que un équipe Letty Gabriel nan tap kran et local commissariat situé là ancien local commissariat soleil écoute qui était ancien base Udmo dans le temps et ben nous connaît si on apprendre que monsieur ça tap kran contrôle si là depuis hier matin dernier comme si on croisé depuis ces camions qui a passé dans zone là pour yo capable mener opération yo groupe armé si là c'est comme ça situation entière hier dimanche dans niveau portail Saint-Joseph et puis dans niveau commune Cité et Soleil n'avancer avec information et sécurité toujours côté réaction parce que ça tombe bon côté différents acteurs politiques et dans société civile dans tout divers secteurs passent suspend les voyous pour dénoncer phénomène insécurité même genre ensemble avec autres anciens parlementaires des us des honnêtes qui dénonçait phénomène insécurité à cavalier terrain dans pays d'après lui-même c'est résultat mauvais gouvernance en Haïti des honnêtes qui dit pas attendre de positif de tête caléa ça qui a passé dans quartier matissant révoltant côté population la pour contre alors que autorité qui t'a de protéger fait silence donc c'est parlementaire quoi c'est société civile là qui de responsabilité pour capable sortir dans situation si là un côté des honnêtes qui t'a dans Josué Bellamour ça fait longtemps que nous avons dit grand problème de mauvaise gouvernance en Haïti et problème de mauvaise gouvernance là ni chita sur une équipe qui pas gain expérience qui pas connait qui ça l'état qui pas connait qui ça en société qui ça citoyen et comment pour adresser mon ça en matière d'élaboration de politique publique nous va attendre de gouvernement ça rien qui paraît positif pour une nation en termes de gestion même si si nous prenons sur le plan comparatif soit avec on l'autre république gade qui ça a traité mon yon pays côté dirigeant yo banal la vie et le banaliser bien-être automatiquement. Donc ça va passer en dramatisant les révoltés, non. Dans le sens où moun yo y aurait été pour contre yo et tout tenant yo yo fait silence. Donc si nous avons des dernières interventions directeur général et la police là, donc c'est les mêmes demandé concours à la population et demandé pour révolter yo. Et si vous regardez l'autre entité yo nous fait silence Claude Joseph lui-même, il fait une déclaration, c'est une déclaration de bluffeur. La présidence est totalement silence supposé et des autres entités, que ce soit des entités internationales qui sont partenaires ou du moins d'autres structures de gouvernance, nous fait silence sur ce qui a passé et ça a passé en Haïti. Là, il a commencé à inscrire un crime contre l'humanité. Est-ce que ça a arrêté pour ça? Qu'est-ce que tu as fait pour au moins pour transformer ce problème? Aujourd'hui, pas gagné on l'autre bagaille qui a fait que si société civile là prend responsabilité la main. Quand
la démocratie est en péril, quand les structures de gouvernance ne sont pas adaptées pour porter des réponses qui sont claires pour la société, hein, c'est la société civile-là qui peut agir à des mains de ces populations qui campent, qui font bataille-là. Je vais vous dire, la dernière fois, avec bataille sur côté Côte Beto-Caribé, je l'ai relancé, la jeunesse universitaire, la jeunesse étudiantine, tout citoyen a pris des coups de Côte Beto-Caribé, ou t'as pour un marché pressé que tu es dans le gouvernement. Nous songez à ce moment, il y avait un premier ministre, c'était Jean Risséa. Et puis tu as commencé à dire, nous pas le mettre chaque jeudi ou un jeudi Pietro pour nous aborder des questions. Tout le monde, tu es obligé de virer tête pour avoir satisfaction à demander ça. Parce que quand une population demande des comptes, pas une blague dans ça. Je dis, dans la situation où il y a là, dans l'insécurité, Jean, directeur général de la police, l'a dit, même si notre fin démissionne, après fin de parole comme ça, c'est un aveu d'impuissant. Donc, les consacres qui démissionnent, mais population pas responsabilité, le petit coup grand, levé campé, goumé Jean est capable pour mettre malfrats à eux dehors. 5h45. Secrétaire général Fusion Rosemont Pradel a critiqué déclaration DGAI police Léon Charles qui a demandé population à lever campé contre bandio. Rosemont Pradel prend divers exemples qui prouvent PNH la bat douvant phénomène insécurité a responsable parti Fusion croit plutôt Léon Charles t'a dû remettre démission pour incompétence. En côté secrétaire général parti Fusion Rosemont Pradel qui jeudi à la réaction le pas trop différent avec ancien député des Honnêtes les pas trop différents tout avec différents autres acteurs mais leurs dirigeants politiques dans société hein. Côté Jodiala yo comprendre question insécurité hein. L'État passe quoi quoi vraiment pour capable mater insécurité hein. Yo préfère faire bel discours dans la presse sur compte Twitter pour écrire texte alors que population a besoin action et le rappeler l'État c'est lui-même qui gestionne noir sur blanc monopole violence légitime non. En côté secrétaire général parti Fusion hein, qui c'est ingénieur Rosemont Pradel. Mande mais c'est son directeur police, son responsable police qui a parlé. Parce que je parle comme un citoyen ordinaire. Un citoyen ordinaire qui a dit que ça vous fait nous, regardez ou pas qu'à bonne ceci, ou pas qu'à bonne bon ici. Ce qui est encore plus audacieux alors chez ce monsieur qui s'appelle Léon Charles, où on se dit la police l'a fait parler, ses populations fait pas. Premier ministre qui a demandé Léon Charles, est-ce qu'il a dénuméré pour nous qui ça la police a fait à dans sa parle? Parce que je ne comprends pas. Gang envahit le pays, on ne pas dire rien. Gang a fait kidnapping sur le monde, moi je m'en prends un exemple. Moi tendez à Xorem pendant plusieurs fois, ce n'est pas une fois, deux fois, trois fois, plusieurs fois, dans la zone Delma 83, Delma 75, et dans la zone et toujours. C'est là gang opéré kidnapper moun presque chaque jour. Moun yo bay identification yo, que moun sa yo yo vini avec une machine qui rele zoriken blanc yo bay numéro plaque là. Yo di nèg yo habillé en policier. Mais comment expliquer pour dire police la fait parler ces populations fait pas nous pour jamais que bon moun nan zone ça. Et yo chaque semaine gon kidnapping qui fait là. Donc mon dame me mandé c'est ça. Je me suis vraiment énuméré pour moi qui sa police a fait, qui c'est et Salabia que la police a fait partie par là. D'une part. Deuxièmement, et que le monde population pour faire pas. Moi, m'a dit, monsieur directeur général AI et intérimé, oui. Comment se fait-il que population en trois ou quatre fois est sortie dans la rue pour faire manifestation contre kidnapping? Contre insécurité, nous bombardons à gaz, nous tirons sur eux. Fait que la population courit. Il y a des gens qui mourent. Il y a des gens qui sont bracassés, etc., etc. Donc, nous-mêmes, nous empêchons même que la population fait manifestation contre les gangs, contre l'insécurité, contre le kidnapping. Et puis, je dis, on va ouvrir la bouche pour dire que la population fait parler. On a même dû expliquer ça à la population haïtienne. C'est tout. Maintenant, m'a dit encore ce qui est encore un paradoxe terrible, c'est le gang qui a décidé de faire manifestation. Gang dans la rue, ils ont gagné et truck sound capé et frappé, il a bambi les âmes nommées. Zamnamé, ma pointe yo, et fusil d'assaut nommé yo, non manifestation, côté la police a sécurisé yo, a accompagné yo.
Même position pour responsable brigade syndicale anticorruption du Mesonson qui rappelait divers mouvements protestations sociétaires déjà organisés contre insécurité dans le pays. Syndical s'en fait qu'on est bandit identifié Tétué Léon Charles qui s'est directeur général à IPNH connaît yo c'est pour responsabilité là. Syndical s'en croit DGAI institution de mettre canson dans taille pour traquer bandit s'il pas complice en côté déclaration du Mesonson. Eh, fan, c'est bien, bon, question directeur général de la police amende société à pour lever campé. Comment pour société à lever campé encore? Société a fait plusieurs, on déclare différentes entités dans la société civile, a fait plusieurs mouvements. Il y a plusieurs secteurs qui font mouvements à travers, on déclare des entités, que ce soit les gens de mon niveau, par exemple, il y a des avocats qui sont victimes, il y a des manifestations qui font, il y a des médecins qui sont victimes, il y a des ingénieurs, il y a un paquet de monde dans la société, même dans la zone, monde qui est plus vulnérable aux victimes. Ils ont fait plusieurs mouvements, manifestations bloquées ou tout bagaille. En même temps, tout y a une grève qui fait, il y a plusieurs mouvements qui fait. Je ne veux dire, comment pour la population te soulever, encore la population levé campé. Donc, il y a des façons, même de compte même par information. Et je ne veux dire, banditisme qui gagne dans le pays, qui soit, ce n'est pas un secret. Et directeur général de la police, dit comme qui côté la jeune nous savons, parce que. Nous, même yo à l'aise, yo fait action, yo dit, mais yo même qui fait telle action. Donc, c'est dans le cadre, si vous n'avez pas localisé, vous n'avez pas identifié, vous laissez ça, vous avez des populations lui-même pour le côté coller. Dans ce sens, la population fait plusieurs mouvements, yo fait plusieurs manifestations, plusieurs levées, gros levées campées. Donc, je ne veux dire, oui, institution police ou bien gouvernement lui-même, il n'y a pas de réponse à ça. Donc, c'est pour ça, ou est-ce qu'il y a un pile soupçon qui gagne, qui t'a dit que, je ne veux dire, monsieur, dame, ça, yo, dans l'État, yo vraiment complice de toute question d'insécurité pays. Mais au moment, ça n'a parlé là. Nous demandons directeur et général de la police, là, directeur AI, hein, justement lui-même, s'il montre que, s'il voulait montrer que il n'est pas sous l'autre autorité politique pour que lui-même mette professionnalisme dehors pour que lui-même corrige la question ça plus rapide pour permettre de jeudi de participer aux zones et pour demander l'autre instance dans l'État, différentes autres entités dans la société civile, pour que l'assistance va pour permettre lui-même de faire rentrer la caille. Gagné un réseau national qui a défendu Amounio RNDDH qui critiquait le comportement directeur général à IPNH, là, Léon Charles, qui mandait la population lever campé contre Gangyo en deux pays. Responsable en programme dans RNDDH, là, Marie-Rosie Augusta du Sénat, rappelé société a été déjà mobilisée contre insécurité. C'est responsabilité dirigeant dans l'État, surtout dans PNH, là, recommandement PNH là, pour la population. Bon gens sécurité. En côté Marie-Rosie Augusta du Sénat. Pour plus de détails. Seule réaction que nous avons gagné, c'est qu'en réalité, la population à bon côté parlé, et ce n'est pas le directeur général AIPNH qui a invité le pouvoir insurgé contre l'insécurité généralisée qui blague dans le pays, parce qu'en réalité, la population qui est insurgée déjà, qui est révoltée déjà. Et toutes les âmes que la population haïtienne a gagné dans même population civile là. Pour lui manifester révolte, lui utiliser déjà ces sittings, ces manifestations, ces épinotes, ces dénoncer, ces insurger, ces condamner. C'est ça, nous fait tout ça déjà. Et donc, il est clair que je ne dis pas, ces polices-là, ces institutions policières-là, c'est au commandement qui pour aller étudier une nouvelle stratégie en matière de sécurité et certainement qui pour mettre fin à renforcement gang armé au détriment justement de l'institution de la police. 5h55. Voilà, déclaration responsable à programme Réseau National Cap Défendre Amounio, Marie-Rosie Auguste du Sénat. Samedi, quitté le 12 juin, sont marqué 26 l'année depuis institution la police en lui-même li existé. L'occasion, gagné un président de la République, Jovenel Moïse, qui lui-même a été chapeau bien bas pour le capable saluer courage. Mais policiers, que policiers, ça y est, jeunes, ça y est, mais moun, ça y est, qui décide d'engager, malgré situation difficile pour capable servi paysan d'en protéger via bien moun sa yo. Président républicain Jovenel Moïse fait qu'on est 26 l'année ça institution sa fête ya la fête dans contexte très difficile côté jeudi à la question insécurité n'est qui vient gazam nan meyo li vin pi plus en de paysan mais yo même comme autorité dans l'état mélangé avec tout l'autre dirigeant dans l'état yo dit yo sa batet mission toujours accompagner la police là et permettre que la police elle-même remplit mission comme sa droit pour le fait qu'on ça les mémoire tout policier policier qui ont même tombé dans cadre de travail et lui dit la police là eh bien il dit d'où est la travail j'ai de conduire travail là et après renforcer tout ça gain en termes de matériel et puis monter moral policier yo pour capable faire travail yo comme ça doit mais pendant nous en question la police en a 26 ans il t'a fêté samedi.
dit, m'a tout été avec information ça qui est important pour auditoire là, j'en dit, côté gagnon quantité policiers surtout agents SWAT qui eux-mêmes étaient en voyage là pour être en formation, dit en pile pour agents SWAT qui eux-mêmes étaient en déplacement pour être en formation aux États-Unis, qui prend la fuite pour yo, qui la guerre dans marron. Premier élément information rapporté que agent et élite SWAT 8 au total, ça veut dire 8 au total agent SWAT. Il n'y a pas qu'on a joué aux États-Unis, semblé monsieur Lagué ou Namaron, les Kaifamillos, les policiers Sayot, ils ont même sans doute, ils ont pris la fuite pour eux, instabilité, insécurité qui gagne Haïti à la, montée, situation, puissance, qui sont gang en appuyant, et li, pour ces policiers Sayot, même, dit-elle, mon cher, nous pas qu'arrêter de vivre dans une situation comme ça, comme policiers, c'est vrai, nous pas jouer un appel critique, mais nous obligés Lagué ou Namaron, non. Maintenant, dit-toi à côté, agent soit Team Sayot, gagné tout, policier garde côte tout, quitté, parmi délégation ça qui semblait même tout mettre van en voile yo dit bon pas bah, problème non nous tout leur bois n'a tout été net pour qu'on y a pas qu'on ait aucune communication officielle beaucoup sous incident ça qui arrivé là beaucoup de autorité policière pour elle dit est-ce que vraiment policier ça prend la fuite pour yo qui côté yo y ça qui arrivé mais moi même information que me gagne de sous sûr gagne dans agent soit team ça qui tout été quitté dans opération village de Dieu ça pas nous ça qui pas nous ça qui était dehors a dit ou qu'à comprendre. Et je dis alors, dis soit team, c'est une unité spécialisée internationale, comprendre, et pour agent à sauver, ça dit qui ça, je ne vais pas faire trop commenter, trop de détails sur ça, seulement son message qui est clair et son message qui est vraiment triste, les attendez, agent soit team, ils ont encore des élites internationales pour agent de l'information, ils arrivent pour la fête, ils arrivent sauver. Oui. N'a toujours été sous un dossier 26 l'année existence de la police nationale là qui samedi 12 juin qui saute passé à là une occasion réseau national cap défendre droit mon organisé devant local dans Ouyel Rivière yon exposition photo plusieurs dizaines policiers qui tombent en balle dans deux dernières années yo réseau national cap défendre droit mon profiter produit un rapport sur situation tête chargée institution connaît dans dernier moment ça yo RNDDH révélé 32 policiers qui sont tombés en balle pour seulement moitié année 2021, un chiffre qui ou en pile par rapport à l'année 2021, institution TP dit 36 policiers. Marie-Rosie Auguste du Sénat rappelé tout à fait façon. On va dire une propre pays à côté ou même attaqué plusieurs sous-commissariats dans la zone métropolitaine. Attaque ça ou voulait prouver, on va dire ou voulait prendre contrôle capital là d'après RNDDH. Un côté déclaration Marie-Rosie du Sénat Auguste, Namiko Jean-Philippe Massé. 12 juin 2021, c'est pour le 26e anniversaire de la police nationale d'Haïti. Et dans l'occasion, nous-mêmes, au niveau de l'RNDDH, nous avons pensé que c'était un bon moment pour nous exposer photos de quelques policiers qui tombaient assassinés par balle. Et même tantôt, nous listons tous les noms de policiers qui mourent en 2020 et ceux-là qui mourent en 2021 déjà. Et on l'autre part, nous fait un rapport que nous fait dans le cadre de la circonstance ça et dans le rapport ça nous alerter l'opinion publique nous a dit sous différents problèmes, différentes préoccupations que nous avons par rapport au fonctionnement institution policière. Là. D'abord nous parler de policiers justement qui assassinés pendant l'année 2021. Et dans ce sens ça nous attire l'attention tout le monde sur le fait que sorti 7 janvier 2021 pour arriver 5 juin 2021, il y a pour plus petit 32 policiers qui mourit assassiné par balle. Ça veut dire une moyenne de 5 policiers par mois, ce qui est énorme. Et d'ailleurs, dans ce sens, ça a tout pour nous rappeler que c'est pendant toute l'année 2020, hein, sorti janvier pour arriver décembre 2020, que nous avons 36 policiers qui étaient morts. Alors que je dis à nous en juin, et nous avons gagné 32 policiers qui mourit par balle. Dans quatre documents ça que nous fait sortir à tous nous parler tout de policiers qui victimes enlèvement suivi de séquestration contre l'ensemble. Et nous fait état de quatre policiers pour petits qui victimes, mais ça qui puis alarmant puis inquiétant pour nous c'est que c'est des policiers qui étaient obligés de payer bandits l'argent pour être capable de retrouver liberté. Nous fait état tout de différents postes de police qui attaquaient par bandits armés. Et s'il est vrai que avant juin 2021, il y a des événements isolés qui ont enregistré côté que effectivement il y a des postes de police qui subissent attaques dans les bandits armés. Mais sorti 1er juin pour arriver 7 juin 2021, c'est 9 postes de police qui attaquaient
un seul coup par des bandits armés et tout fait partie de G9 par famille et alliés. Là, on a parlé de commissariat de Mortisson, de sous-commissariat Bicentenaire, sous-commissariat Cazo, antenne police Douillard, sous-commissariat du Vivier, sous-commissariat Sierra 2, sous-commissariat Portail Saint-Joseph, avec antenne qui dans trois mains. Pour nous-mêmes, c'est très inquiétant, c'est très alarmant. Ça a passé à parce que nous étions quoi que Bandi voulait lancer un message. Le message que justement il voulait lancer, c'est que vous gagnez contrôle pour vous prendre sur le contrôle de la police là. 6 heures. Nous avons toujours été avec responsable programme dans RNDDH, Marie-Ozie Auguste du Sénat, concernant rapport ça lié présenté là. Nous avons dit rapport ça tout parler sous mauvaise gestion institution, côté qui est plus passé 60% policiers. Il était spécialisé en détachement autorité et piston dans le secteur privé. Réseau national Cap Défendre Mounio critiqué comportement responsable PNH qui était multiplié stratégie pour craser syndicats PNH là et puis mettait en prison à Belson Gros-Nègre. Et puis la mandat des plusieurs autres membres SPNH 17. Marie-Ozie Auguste du Sénat exige enquête sérieuse sur assassinat différents policiers et puis enquête tout IGPNH sous utilisation matérielle institution. On écoute Marie-Ozie Auguste du Sénat toujours dans le micro collaborateur. Nous, j'ai Philippe Massé. Nous parlons tout de utilisation matérielle policière, nous parlons tout de mauvaise gestion personnelle, unité spécialisée, parce que selon l'information que nous gagnons au niveau de RNDDH, c'est pour plus petit 60% personnel, unité spécialisée, qui je ne dis pas en détachement avec autorité étatique, avec certains mondes dans le secteur privé des affaires là, avec certains mondes dans une famille alliée. Je ne dis pas, après on a parlé là, il y a des séries de policiers qui a veillé quand il y a un litige, il y a des séries de policiers qui postaient sous des têtes qui ont litige, qui a veillé pour un parti ou bien pour un autre, ce qui est aussi inadmissible. Par rapport à tout problème ça, que nous fait état de nous dans le rapport ça, nous disons que nous pensons que je ne dis pas, PNH a 26 ans, c'est le moment pour la direction centrale pour les judiciaires. Bon, côté Pali, montrer que il y a accéléré différentes enquêtes sur assassinat policier qui mourit par balle. Parce que nous étions prêts que c'est le meilleur message que les CPJ capable de lancer par les policiers pour faire comprendre que vie est importante pour l'institution policière qui a appartenu à l'IA. Et d'ailleurs, c'est ça tout cap balle pour ce moment pour continuer de travailler pour protéger vie avec bien l'autre monde qui est dans la population. Nous demandons à l'inspection générale police nationale là, pour lui ouvrir une enquête sur l'utilisation matériel policier yo, par bandits armés dans différentes attaques armées qui font sur la population. Parce que nous avons cru que c'est une porte qui peut permettre que la population vienne regagner confiance dans l'institution policière. Là. Même si nous demandons à l'inspection générale là, pour lui enquêter sur policiers qui de connivence avec des bandits armés et puis pour lui enquêter tout de manière générale sur policiers qui impliqués dans tout cas des actes de violation de droits humains. Voilà, dans ce côté là, Marie-Ozie Auguste du Sénat sous question insécurité pays qu'on est dernier temps sérieux et puis fonctionnement institution la police. Kounya n'a pas parlé de ses santé coronavirus. Non pas parlé concernant avis numéro 400 ça. MSPP mettait d'ailleurs pour dire ministère santé publique à cap population 150 nouveaux cas confirmés à 43 moun mouri en plus en bas COVID-19 dans pays d'Haïti. Non dit là ministère santé publique a informé population haïtienne n'a gagné 150 nouveaux cas confirmés à 43 moun en plus qui mourit en bas COVID-19 dans date qui était 8 juin passé à là dans pays d'Haïti ça baille qui ça qui baille un total 16356 cas confirmés 2568 moun qui passaient l'hôpital 352 moun qui mourit à 12560 moun qui traités au total ça c'est depuis le corona lui-même arrivé en Haïti bilan chiffre ministère absalié mémoire compatriote sa yo qui parti quitter nous pendant la suite force à ka courage à ka famille amis et puis tout monde la mort ça a touché ministère santé publique à ka population continuellement des populations pour le respecter tout principe hygiène à ka sécurité l'état déjà bailli pour empêcher maladie à gayer plus toujours dans pays n'a rappelé nous ensemble de mise barrière sa yo c'est toujours mettre cache-nez au soir masse nous depuis nous pral rencontre l'autre monde toujours lavé mais nous les wap salier yon monde éviter bal la main pas boule ni bal accolade toujours songer bay tout monde trois pas distance entre les distanciation physique là si vous remarquez yon nan sin sa yo tous fièvre ou pas prend centre
au soir goût, éviter prendre contact avec l'autre monde et puis reler dans 2020 pour qu'on qui ça doit faire. Coronavirus est toujours là, en nous yon veiller sur l'autre, en nous yon protéger l'autre. C'est ministre santé publique à la population, docteur Marie Gretawa Clément qui signe en bas avis numéro 405 MSPP mettez d'ailleurs concernant quantité cas COVID-19 qui a augmenté dernier temps ça dans le pays. Nous avons toujours été dans le dossier coronavirus, dans le cadre d'un dossier spécial collaborateur de Alix Gauthier, réalisé ensemble avec divers marchands dans la machine. Capital là, en pile là, dans pas respecté geste barrière, côté avant dans la machine à Saint-Cachenet. Il a expliqué c'est à cause absence l'État qui l'a cause pas respecté geste barrière. Alix Gauthier, tu es sur place dans le reportage ensemble avec lui. Malgré chiffres, décès et contamination a monté, majorité citoyens, surtout dans le marché public, n'ont pas respecté les barrières. Cause cachée même pas existé dans le marché. Marchand a joué plusieurs arguments pour justifier le comportement. Je ne vais pas mettre cachée parce que les métiers ne peuvent pas expirer bien. Parce que vous avez nous, quand il va cacher quoi faire nous vraiment, qui pour nous pas malade. Il va cacher quand il va nous sécurité, c'est le bon, c'est quand il va nous sécurité. C'est parce que je ne vais pas pourtant, c'est un autre conscient qu'il y a une pandémie plus fragile. Yo critiquer autorité yo qui pas fait rien pour aider citoyens yo protéger tête yo. Tant que distribution cachene ak sanitizer je s'attendais dans premier vague là. Parce que les pas gueule déjà été fait moi mathématique de faire nous mettre. Kounye a vinn gueule pas gueule que l'état dit rien pour nous. Pas gueule l'état dit rien, les pas gueule te pas chez bail cacher tant que mail alcool. Kounye a mégué il pas gagné dit pour nous qu'on a nous pas tellement fini intéressé mettre encore parce que même c'est mon malade moi. Ma chaîne yo expliqué, yo fait j'effort quand même pour respecter mes yo. Tant que laver mes yo et la trier. La preuve que si on a laver mes nous, pas manger avec mes sales. On porte des questions du même si on ne marche pas là, on va jamais mettre mes langues, je ne sens pas la vie même, non. On va jamais mettre mes langues, je ne sens pas la vie même. Non, bah, la même babo. En tout cas, coronavirus là, pas ni politique, ni faux film. Un pile citoyen déjà tombé en bas fausse pandémie, tant coup. Évêque auxiliaire Port-au-Prince, Monseigneur Ducange Sylvain, DG ONA, journaliste Esther Alexis, qui c'est madame, ancien secrétaire d'État, communication, Eddie Jackson Alexis, pour citer ça seulement. Ministère Santé publique continue à encourager population, respecter mes barrières, tant que mettez cachet, pas bail en main, pas beau. Alix Gauthier, Radio Méga. Merci en pile Alix Gauthier concernant reportage ça par rapport avec comportement marchand yo dans oui. Divers marchés. Bon, pour marcher yo vraiment ça sont l'autre réalité. Oui. Bon, pas qu'on est comme avant sous fatra tout ça, bon, sont l'autre réalité, je veux dire et manque sensibilisation vraiment et, par rapport avec premier vague là. Oui. Jean Mounio dit pas qu'on est comment autorité sanitaire yo pour gérer ça pour sensibiliser marchand yo, pas seulement marchand yo, non, mais nous on est côté qui gagne pile mon yo ou comprendre marché yo. À côté des marchands qui vendent tout, mais qui acheteurs qui viennent acheter tout ça. Et soit faire constat, soit dans le marché côté Alex Dia, ou faire constat tout, non, soit dans Cafoufeuille, soit dans le marché Salomon, l'autre côté encore. Bon, là, entre 36 et 32, c'est même réalité. Ou capable que les marchands n'ont pas vraiment bon comportement pour dire que il y a une bataille contre le coronavirus. Non, bon, jusqu'à présent, il y en a qui, dans l'ignorance toujours, qui dit ça, qui ça coronavirus, non, est-ce qu'il en pris en vrai? Moi-même, nous-mêmes, comme journalistes, qui là, dans la mission, nous pousser informé mounio, n'a dit nos mes amis coronavirus dans l'irréel. L'irréel, c'est puisque l'irréel, c'est à nous-mêmes pour être capable de protéger et nous protéger santé nous. Et